J'espère que vous allez très bien. Je vais vous montrer comment filmer l'écran de son ordinateur. Là, je vais utiliser une application qui s'appelle OBS. OBS Studio, c'est l'application, là, c'est son interface. Je vais essayer d'être tellement rapide, hein. En fait, là, vous cliquez sur Studio, en mode Studio pour avoir au moins deux interfaces. Donc, l'interface de montage et l'interface que vous allez utiliser pour l'enregistrement, c'est ça là. Donc, et là, même pour ceux qui vont faire un tutoriel en ligne, c'est très important d'utiliser les deux interfaces. Donc, l'aperçu et ce que vous allez et ce qui se passe directement en ligne. Allons, sans devoir tarder, je vais vous montrer comment faire pour arriver à cette interface là. Nous allons dans scène. Vous voyez là, il est écrit scène et là, c'est source. Donc, là, vous créant une scène, vous créez, donc vous pouvez nommer quoi, mais moi je laisse comme ça scène 4. Et puis vous venez ici source. Donc en créant le nouveau scène là, vous voyez que l'interface devient noire, c'est vide. Donc vous venez sur source, cliquez sur le petit plus là et vous augmentez d'abord capture audio. Et vous cliquez sur OK, donc sur OK. Et vous choisissez, si vous avez un micro, vous pouvez choisir. Là, moi, j'utilise pas de micro, donc c'est l'ordinateur que je vais utiliser directement. Vous cliquez sur OK. Et puis, vous venez encore là, vous cliquez capture d'écran. Vous validez OK. Et vous voyez que l'application commence directement à capturer l'écran. Là, vous n'allez que cliquer sur OK pour valider. Alors, si vous voulez maintenant enregistre, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous cliquez sur mode studio, vous avez que là vous aurez des interfaces et vous cliquez tout simplement sur commencer non pas et là si vous voulez faire en ligne, vous voulez faire en direct par exemple sur Facebook ou sur YouTube quoi, mais là si vous voulez seulement enregistrer l'écran, donc vous cliquez sur enregistrer et là l'enregistrement commence. Et pour terminer, vous cliquez seulement sur arrêter. Arrêter l'enregistrement. Donc, en cliquant, vous voyez que l'enregistrement s'est arrêté. Et bon, en fait, je veux vous. Par défaut, la plupart des temps, l'application enregistre les vidéos filmées dans vidéo. Et justement, là. Donc, là sont les vidéos que sont filmés par OBS Studio. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je suis tellement content et fier de vous. Ne quittez pas sans devoir vous abonner à la chaîne. Et si ce tutoriel vous a été vraiment important et intéressant, vous n'avez qu'à le partager sur vos réseaux sociaux, à vos amis. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner. À suite.